Je lui ai juste dit que la moto était en rodage. Pas d'inquiétude, vas-y, tape dedans, allez, vas-y. Vas-y, tape dedans. J'en ai marre de ces types. Ils m'épuisent. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire, joyeux anniversaire. Ta gueule, joyeux. Bref, du coup voilà, c'est mon anniversaire. Donc j'ai décidé de me faire un petit cadeau, une petite surprise. En fait, voilà, ce week-end, on a rencontré les gars de TCQR qui faisaient une journée opening des griffes moto dans le 42. Du coup, on a profité pour aller leur dire bonjour. Donc j'ai craqué. Voilà, ce matin, j'ai passé ma journée sur Bon Coin, ma matinée sur Bon Coin, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que j'ai craqué, voilà, hein, une fois de plus, deux fois là, ce mois-ci, là. Hein, donc ça commence à faire beaucoup, on va se calmer un petit peu, mais bon, en même temps, voilà. Je suis fan de bécane depuis que je suis gamin, ça fait depuis 2016 que j'ai pas eu de bécane, donc du coup, je me fais plaisir. Bon, ben voilà, on est sur la route. Et voilà Fabien! C'était le fou qui me suivait sur les vidéos en quad! J'espère que ça vaut le coup parce que alors sinon je lui mets dans le cul sa bécane. Ou alors non, je prends la bécane mais je lui donne pas les sous. Ça le fait aussi. Je charge lui et la moto. Et lui on le déchargera dans les coins là. J'ai vu qu'il y avait des espaces verts à cigogne là qui traînent. On va aussi vite que sur l'autoroute. Sauf qu'on nous paye les crevards, on paye pas. Regarde-le, il est là-bas. Tiens, il a. Il a posé le tracteur et là il est en train de se mater un petit film tranquille et après il va débaucher, il va dire à sa femme: chérie, ma journée était dure, passe-moi la teub. Ok, fond 2, fond 3, troisième. Comment avec la cuillère de brio ça? Regarde ça mon gars, ça attaque. On prend les pneus, oh les putain. Attends, elle va pas tout y mettre. Pratiquement putain, hé. Ça, c'est un bon sprinter, mon copain. Oh. C'est une galère. Faut passer par où? Prendre la route. Je pense pas que c'est par là, ça, c'est pour rentrer, ça. T'arrives là avec la BM, là. Pied dedans. Pareil. Tout pareil. Ce qui est bien, c'est que toi, on sait que tu apprécies la mécanique. Solide, Mercedes. Ah, tu m'étonnes. Près de la route, ma petite mamie, là. Vas-y! Tronche 2! Depuis que j'ai posté la vidéo de la GTI 16, il y a plein de gars qui m'envoient des annonces, tu sais, genre de 309. Alors les gars, ils me disent, celle-là, elle vaut le coup. Je dis, non, c'est une 8 soupapes, ça, c'est pas une 16. Je te jure, les mecs, ils m'envoient des annonces. 309 GTI, 4000 euros. Je dis oui, elle est pas mal, mais. Et ouais, je pense que j'ai déjà la mienne. Du coup, j'en ai plus besoin. Mais si vous trouvez une annonce, forcément, avec une caisse de ouf, pas cher, je suis preneur, hein, envoyez-moi. Hein. Ah, mais, heureusement que j'ai pas trop mangé avant de partir. J'ai été léger, j'avais pas trop de temps, j'ai mangé une tranche de jambon. Et tu sais quoi? Laisse-le par terre. Le créneau, mon gars, ça te met. Quand ça commence à te faire des créneaux en berlingot en te mettant la main derrière la pute tête là comme ça là, tu sais. La belle époque. Eh. Non, je peux y aller là, en cul. Vas-y, y a ton Scania qui gêne des. Non, moi j'aime bien dans la campagne là. Je vais parler comme le type à qui on a acheté la charrette là. T'es un bon compagnon, c'est un bon compagnon polo. Ah, c'était un bon vivant l'animal. Mais on aime ça. Je préfère ça plutôt qu'un mec wesh wesh canapèche là. Ouais, il a pas fait trop le. Ah ben lui, il lui a pas fait du mal à la bécane, hein, ça c'est sûr. C'était à peine, je pense, qu'il savait passer la deuxième. D'ailleurs, je sais même pas comment il a réussi à la démarrer. Parce que déjà que moi j'ai galéré. Mais bon. Bref,
Voilà, c'est acté, c'est fait, c'est chargé. Et le reste sera délivré à la fin de cette vidéo. Alors je suis pas sûr que ce sera aujourd'hui parce que là le temps court entre. Je pense qu'il va faire nuit et que voilà, X à grand rire. Mais voilà, donc demain, enfin, dans la même vidéo, mais demain, je finirai cette vidéo en vous montrant cette petite mobilette. La shrine du diable, comme on l'appelle. Voilà. Bon, mais maintenant, on va rouler pendant 2 heures. Et puis, voilà quoi. Allez, go! Attention! Et on vise. Oh putain, je rembarquais le truc. Ouais! Bravo! Et voilà la bestiole. Bon ben. On va refaire les carrés. Moi je vais la repasser en blanc d'origine directe. Non? Qu'est-ce que t'en penses toi? Je vais commander ma petite ligne. Et puis roule ma poule! Je voulais vérifier s'il y avait bien de l'eau. Et des gaziers pareils. J'hésite la ligne, faut qu'ils me disent les gens dans les commentaires, tu sais, le petit onglet en dessous là. J'ai le choix entre quoi? Yoshimura, 1, 2 c'est Terminioni, 2, la 3 c'est la Bud Racing GHS, non, AGS, ouais, mes couilles, enfin bref, Bud Racing, AGS, donc Acra, non, Yoshimura, attends j'ai dit quoi, oui, Yoshimura, Terminioni, Bud Racing, Acra ou je sais plus. Acra c'est une Honda. Ouais c'est moyen je trouve. Moi je verrais bien soit une Yosh. FFM. Ouais FFM. La Bud Racing elle est stylée, elle a les cartouches qui sont rouges. C'est pas les modèles. Ouais. J'en ai trouvé avec des cartouches rouges. Je sais pas si ça fait trop rouge. Bon après. Après je sais pas. Faut que je fasse faire mon petit kit déco du coup. Par mon petit copain Loïc de chez Complast Design, en espérant que qu'il ait refait, il aura, parce que des fois il, sur mon quad, je crois, je me rappelle, il avait pas eu les, il pouvait pas avoir les carénages. Bah, on va passer là, vous pouvez pas qu'on est en train de filmer là, bordel. Non, vous pouvez pas me voir mes carénages quoi, sur le
450YZ. Bon, ça quand même, c'est plus récent. Ouais, c'est plus connu quand même. Ouais. Qui va me faire un beau petit kit déco avec un petit Siwaltos là et tout là, ça va être le feu. Ça va être le feu. Non, ça va être pas mal. Besoin de faire un coup de frein, je vais arracher le cul comme comme un gars que j'ai vu récemment dans une vidéo, je crois, With the Fool. Je vais arracher le cul. Ouais, c'est vrai que quand il n'y a pas de frein, c'est chaud. Enfin, c'est chaud, non, c'est pas chaud, mais c'est plus dangereux de rester à petite vitesse, en équilibre, on va dire. En plus, il faut savoir, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de bécane, ouais, des roues arrière. Ça fait 1 million d'années hein. Mais non, je suis content de mon nouveau petit jouet. Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une Honda quoi. Allez, je te débarrasse. Je te débarrasse parce que il fait chauffeur, livreur, caméraman. C'est un homme à tout faire lui. C'est l'homme à tout faire. T'aurais pu amener ta bécane, on aurait été faire un tour. Tu sais que j'y ai pensé. Parce qu'il y a Polo qui m'a envoyé un message qui m'a dit quand je débauche, on va rouler. Ça fait pour à quelle heure mais... Donc voilà quoi. Bon, 146 heures, enfin 144 heures. Apparemment là-dessus, c'est conseillé de refaire les moteurs. À combien il a dit? 150? 160? Voilà, 150. Donc, du coup, là, 144 heures, tout le moteur a été refait. Donc du coup, normalement, je suis tranquille. Après, ouais, il y a les disques du coup qui... Tu sens que là, ça accroche. Le mec qui l'avait avant, mon gars, c'est une... Ouais, c'est une première, enfin, c'est une deuxième main du coup avec moi. Mais... C'est le mec qui l'avait avant. Et... Il savait rouler apparemment, hein. Mais il a quand même pas trop mal entretenu. Alors, les GPS sur la jambe d'avant. Non, ça va dans l'ensemble, c'est une bonne machine. Le mec, il est dehors. Si, parce que j'étais chercher cette moto à Bourges. Ceux qui viennent de Bourges ou qui connaissent Bourges, voilà quoi. Peut-être que vous nous direz si vous reconnaissez des entreprises. Eleven, MX, non. Ouais, oui, bah oui. Non, mais je pense que c'est un kit déco. Oh, clé, putain. C'est les lunettes qui nous donnent au taf. On est obligé de porter des lunettes, mon petit gars. On a une belle touch. Ah, mais moi, j'étais malin, moi, j'aurais dit que... Trois paires de lunettes m'allaient pas, du coup j'ai pris trois paires de clés. Deux pour la maison, une pour chez moi. Deux pour la maison, une pour chez moi, j'ai dit. Ouais, ça veut rien dire. C'était plutôt deux pour chez moi et une pour le boulot. Mais bon, voilà. Bon ben hein, on fera un petit test plus poussé avec une vidéo embarquée. On essaie de faire un petit tour dans les chemins. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que je Faut que je commande mes disques avant, parce que sinon pour rouler ça va être la mort. Parce que là c'est niveau freinage vraiment. Même si ça reste un cas de temps. Je suis un peu drôle, parce que j'en ai marre d'avoir le bras en bas. Ouais, ça reste un cas de temps, c'est quand même frein moteur. Quand t'es dans les chemins, il y a des freinages d'urgence à faire. Donc faut que je trouve deux disques, mais là je vais aller chez Honda là. Parce que t'as vu le papier là qu'on avait hier là de l'homologue. Ben c'est ça, je veux leur montrer avec Maddy qu'il avait fait graver la bécane pour les assurances, tu vois. Tu vois, genre en fait, ils ont ramené la moto je sais pas où, là, chez un gars, et en fait, ils gravent la bécane avec des numéros autres pour pouvoir la faire assurer, vu que c'est une bécane de cross qu'elle n'a pas de carte grise ou quoi que ce soit, pour pas, en cas de vol, être remboursé, quoi. Et sur le papier, justement, j'ai vu qu'il y avait écrit un truc genre MTT2, avec un numéro de série et tout, comme une carte grise, comme mon 530 que j'avais là, KTM. Avec une carte grise quoi en gros. Donc du coup ça se trouve le mec il l'a fait elle est peut-être pseudo homologuée et le mec à qui je l'ai racheté il était pas au courant quoi. Parce qu'en fait je vous explique il a acheté un pote à lui, donc ça c'était l'acheteur le premier, le mec d'après à qui je l'ai acheté moi l'a racheté à ce gars là bon bonnet, mais c'était pas le genre de gars pilote, tu vois, c'est le genre de mec qui était très gentil hein, mais par contre qui était plus je vais aller s'il y a du courrier au cas où. Cette facture
C'était un mec qui était voilà, qui roulait pas, c'était pas un crosseur, les gars. C'était même pas un pilote du tout, je crois. Il avait dû la démarrer deux fois depuis qu'il avait. Il a juste refait le moteur, il a été sympa. Ça a été une passe. C'est pour ça que je dis que je suis le deuxième propriétaire, parce que en fait lui il a acheté à son pote, il a refait le moteur et il me l'a vendu. Il est sympa, Romain. Ouais. Si, il est sympa. Donc du coup, voilà. Donc ouais, voilà, sur le papier, il y avait écrit ça. Donc ça se trouve, le premier propriétaire l'avait peut-être fait pseudo-homologué ou je sais pas, j'y connais rien, faudrait que je me renseigne. Donc voilà, donc en vrai, si elle est homologuée, c'est encore plus le top. Donc ça, je vais pouvoir rouler sur la route. Je lui mets deux paires de bottes super mode, tu vois. Ça va encore me coûter un bras, mais bon, c'est pas grave. On n'en est plus à ça près, hein, entre les voitures, les bécanes. YouTube Money. Ouais, il n'y a pas de YouTube Money, mais on fait comme si. Hein. C'est impressionnant ça. Donc voilà, bon. Mais sur ce, mes amis. Je vous dis à la prochaine et puis à ciao bye. Non? Ou topette? Tu sais, alors, je me suis renseigné. Topette. Je me suis demandé d'où ça venait topette. Et parce qu'au début, je suivais un gars sur YouTube, c'est topette, mais c'est un truc d'animaux. Ouais, alors je me suis dit pourquoi topette il dit ça à Lulu. Tu vois. Et en fait, non, c'est genre les gars de la campagne, de fin fond de la campagne, là. Genre même vers chez nous, hein, la Creuse et tout là. Et eh ben les gens quand ils disent au revoir, ils disent topette. Et j'ai un pote à moi, sa copine elle est de là-bas. Et à chaque fois quand elle dit au revoir aux gens, elle fait hey, topette. Donc voilà, ça m'étonne pas de Lulu, tu vois, l'expression. L'expression, la franche expression, quoi, topette. Donc voilà, bon ben moi je vous dis pas topette, je vous dis à la prochaine et salut les bouilles. Et toi, tu t'en fous toi. Toi aussi tu veux une moto? Non, t'en branles, t'as bien raison.